Willow est l'archétype de la fille timide et discrète. Au contact de Buffy, son entourage bascule dans le surnaturel. Elle décide de devenir sorcière, un mythe créé à l'origine par les hommes pour tuer les femmes en marge de la société. Réappropriée par les femmes, la sorcière apparaît aujourd'hui comme un emblème du féminisme. Grâce à la sorcellerie, Willow rencontre Tara, dont elle tombe amoureuse. Il s'agit d'un des premiers couples lesbiens dans une série télévisée, sortant du cadre de la relation hétéronormée omniprésente à l'écran. À cause de la pression de la chaîne de télé qui diffuse la série, la sexualité des deux femmes n'est pas montrée, mais symbolisée par les sorts qu'elles jettent ensemble, liant saphisme et sorcellerie. Le seul moment explicite à ce sujet est suivi par la mort violente de Tara, cliché courant des relations homosexuelles fictives. Willow entre alors dans une rage terrible, qui est finalement calmée par son ami masculin Xander. Buffy contre les vampires, série progressiste, reste le fruit de l'écriture d'un homme qui, volontairement ou non, passe le message qu'une relation lesbienne est vouée à un destin funeste et qu'une femme acquérant trop de pouvoir peut être dangereuse si un homme n'est pas là pour la contrôler. Cependant, l'existence de Willow et Tara a marqué un tournant dans l'histoire des séries et a ouvert la voie à des personnages LGBT plus réalistes et complexes.